Alors, c'est un fonds qui est intéressant parce que déjà, c'est une bibliothèque de chercheurs. Donc, c'est une vitrine sur la recherche, sur les méthodes de recherche. C'est une porte d'entrée vers des disciplines qui peuvent être particulières, qui peuvent un peu, notamment là, ici, la philosophie du droit, c'est quand même une matière un petit peu complexe à aborder. Donc, du coup, ce fonds-là permet d'avoir en fait un corpus d'une approche possible, hein, bien sûr, parce que tous les chercheurs ont leur approche, sur la manière d'aborder cette matière. On a le travail d'une chercheuse qui est présentée à travers les livres qu'elle a lus, les livres qu'elle a annotés, dont elle a fait des comptes rendus. Voilà, donc ça permet aussi de savoir comment elle travaillait, avec qui, dans quel réseau, dans quelle langue, dans quel contexte. Quand le don a été accepté, il a été accepté en 2020. La bibliothèque s'est rendue sur place et a récupéré les ouvrages en fait. Ils ont été entreposés dans le magasin. Il y a un inventaire qui a été fait. Et donc j'ai beaucoup travaillé à partir de cet inventaire-là parce que ça me permet de voir effectivement quels ouvrages sont déjà présents. Moi quand j'ai commencé mon signalement, j'avais fait un état des lieux déjà de ce qui a été fait, hein, de comment ça avait été traité, quels documents existaient sur le sujet, etc. Et puis après j'ai commencé le signalement et donc je me suis orientée vers plutôt la philosophie juridique pour commencer. Quels ouvrages me semblaient correspondre à ces thématiques-là? Donc en basant sur les titres, les auteurs, est-ce qu'ils étaient juristes, est-ce qu'ils étaient philosophes, est-ce qu'ils s'étaient intéressés à la question du droit, les résumés, les tables des matières, des fois en lisant un ou deux passages. Après on essaie de discerner un petit peu des lignes de force qui ressortent un petit peu dans ce qu'elle a fait. Oui, ça fait quand même un certain travail. Puis bon, voilà, c'est arriver à savoir effectivement qu'est-ce qu'on... On peut prendre du temps à se questionner sur est-ce que ces livres-là, ils sont intéressants. C'est vrai que quand on se pose face à un ouvrage et qu'on essaie de savoir si on va le garder ou pas, il y a une réflexion et du coup, ça ralentit un peu le processus. Donc ça dépend, hein, les critères qu'on a pour gagner en efficacité au départ, quoi. On a des enseignants qui sont quand même venus voir le fond et qui ont donné leur avis aussi sur le contenu, sur les auteurs qui ressortaient, qui étaient intéressants. Ou sur des choix qui avaient pu être faits aussi. Après, voilà, dans tous les cas, de toute façon, c'est la bibliothèque, un terme qui tranche, mais c'est toujours intéressant, effectivement, d'avoir un enseignant qui visite, qui vient voir et qui consulte, qui dit « Ah oui, il y a tel et tel auteur, ça et ça, c'est intéressant, ça et ça, ça l'est un peu moins. » Aucune formulation, aucune expression, aucun concept, sans que derrière, elle ait pensé qu'elle défende une argumentation et une idée. Et puis, elle a une connaissance encyclopédique, au plan philosophique. C'est important aussi de pouvoir expliquer pourquoi, en mettant sa figure en avant, pourquoi on l'a gardé ici, pourquoi on a mis ses ouvrages, pour ensuite expliquer le fond et en quoi il est intéressant vis-à-vis de son travail.